Connaissez-vous Odon? L'avez-vous remarqué, juste au-dessus de vous, accroché au plafond de la Cité des Sciences? Ben, c'est pas tout à fait lui. C'est un message de sa part. C'est un vaisseau cosmique qu'il nous envoie de là où il est désormais. Il a fait le voyage avec. Le vaisseau est bien rodé. Ce vaisseau, voyez-vous, fait de tresses peintes, multiples, complexes, et pourtant dans une forme parfaitement naturelle, la forme de la spirale, la forme du mouvement, la forme de l'énergie centrifuge, qui nous renvoie peut-être à celle du Big Bang, celle du commencement des temps. Et c'est cette énergie qui est là, cette énergie qui permet le voyage, qui permet le voyage cosmique là où il est désormais. Odon, c'est un artiste qui navigue encore dans la spiritualité du monde, dans le sacré, mais dans une sorte de sacré profane, accessible, sans messe ni cathédrale. Il est lui-même une cathédrale. Encore que, dans ses différentes expositions, il était fort bienvenu dans les cathédrales et dans les chapelles et dans tous les lieux qui avaient cette aura de sacré autour de lui, comme si déjà, de son vivant, il avait compris qu'il devait rejoindre ces voûtes sacrées qui sont à des milliards d'années-lumière dans l'infini où il se retrouve et où il nous attend. Odon, c'était cela, c'était un artiste d'une grande simplicité, d'une grande spiritualité, qui cherchait et se laissait porter par sa propre recherche. Dans ses gestes même, dans les gestes qui lui permettaient de découper des tresses en nombre infini, travaillant des nuits entières à les peindre, à les organiser, et peut-être se laissait-il organiser par leur énergie propre. Et il faut bien, parce qu'après tout, c'est un navire, c'est un moteur, c'est une force concentrée dans cette forme mythique, essentielle, qui est la spirale, et qui est un vaisseau. Et un vaisseau que nous allons utiliser pour le rejoindre bientôt. Mais ne soyez pas triste, c'est un voyage au fond fabuleux, nous faire retrouver les étoiles d'où nous venons, nous faire réintégrer les étoiles que nous sommes, et c'était ça, son message à lui. Et dans notre société contemporaine, ce genre de message est, ma foi, bienvenu. Donc regardez encore à nouveau au-dessus de vous, regardez ce vaisseau sur le départ et vous verrez que les Bezos et autres Elon Musk ont raison de s'inquiéter de la formidable puissance de pensée que fut celle d'Odon.